ce bateau, il y a quand même quelque chose d'exceptionnel. Je crois qu'il faut bien souligner ça. Hein. C'est que les reconstitutions, les reconstructions actuellement, on en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on en fera peut-être encore plus. Mais très rares seront les reconstructions qui seront faites d'après des plans strictement originaux. Pour nous, charpentiers, c'est très intéressant. On n'est pas tellement habitué à travailler sur des plans authentiques comme ça, et surtout vraiment des plans qui existaient à l'époque. Parce que maintenant, on fait des plans par rapport aux formes des bateaux qui ont existé, mais trouver des plans vraiment qui étaient là de l'origine, ça m'a rapporté un plus. Effectivement, c'était un plan d'un bateau construit au chantier Le Marchand à La Landrier en 1896. Et il est vrai que donc on a utilisé ce plan. C'est à notre connaissance le seul plan de bateau de travail du légué qui existe. Disons qu'on a eu une chance inouïe, c'est aussi que le plan existe parce qu'à l'époque, les charpentiers travaillaient à partir de demi-coques. Et donc il n'y avait aucun plan, aucun manuscrit retraçant les caractéristiques des bateaux. Donc ce plan représentait un bateau qui faisait 13,40 m de coque, 4,10 m de mètre beau, c'est-à-dire de largeur, et 2,25 m de tirant d'eau. C'est vrai que c'est cette référence-là qu'on a pris d'un bateau, dénommé la Jeanne d'Arc, et qui avait été donc construit à La Landrier sur la Rance, et qui était un bateau utilisé à la pêche à partir du légué. Il y avait des lougres là, des lougres, un peu comme le Grand Légion là, qui faisait le chalut l'hiver. Les bateaux étaient sur le flanc, couchés sur le flanc, comme ça. Quand la mer montait, ils flottaient. On n'allait jamais au légué. Si c'est sous la tour, il faut le léguer. Ce bateau-là, il devait être à la fois puissant, vous voyez, et rapide. Et ceci est vrai aussi bien pour la voilure, le gréement, que pour la coque. Hein. Et de fait, cette voilure très divisée, vous pouvez hariser la misaine, vous pouvez hariser la grande voile, vous pouvez amener le hunier, vous pouvez faire pas mal de combinaisons de voilures. Hein. C'est très, très avantageux pour les traits aux différentes allures. Ces bateaux-là, ils ne sont pas un moustache. Bon. Et ça, c'est un truc qui existe beaucoup dans la tradition maritime de peindre les bateaux à moustache. Et vous voyez bien à quoi ça sert. Hein. C'est qu'on a l'impression, comme disent les Anglais, que le bateau, il a un os entre les dents hein, et qu'il navigue à toute vitesse. Je pense qu'il doit y avoir un petit peu une question d'orgueil. Hein. Légion, c'est un bateau qui fait 13,40 m de long, qui a un bout dehors qui sort du bateau de 8 mètres ouais. Et qui a une surface de voilure de 150 mètres carrés. Alors, c'est un bateau qui se rapproche un petit peu des bisquines, en ce sens qu'il a un gréement un peu similaire au niveau amurage, au niveau forme des voiles, c'est la même chose. Par contre, la grande différence, c'est que c'est un bateau qui a un mât beaucoup plus court à l'avant. Bon, la couleur des voiles est un petit peu différente. Là, ce sont des voiles de couleur cachou. D'autre part, concernant la coque, c'est un bateau qui est très trapu. La voûte à l'arrière, par exemple, est une voûte moins élancée, mais tout aussi élégante. Le Grand Légion, la réplique d'un bateau qui avait été financé par un armateur qui s'appelait Monsieur Prudhomme, donc a vécu de 1896 à 1910. Ça paraît a priori un délai court, mais bon, c'était des bateaux de travail qui échouaient sur une vasière. Donc, en fonction de la qualité de la construction, les bateaux avaient certainement une durée de vie relativement courte. Certains bateaux étaient dépecés, c'est-à-dire que les gens se partageaient le bois. Chaque membre d'équipage se partageait les morceaux de bois du bateau.
c'est un peu dans ce sens qu'on peut maintenant demander au Seigneur de bénir ce bateau. Seigneur, c'est bien souvent au milieu des pêcheurs de ton pays que tu as vécu, toujours attentif à leur vie, à leur joie comme à leurs épreuves. Amen. Sans ce genre d'initiative, eh bien, on aurait oublié tous les bateaux qui ont sillonné toutes nos côtes depuis des siècles, et on n'aurait gardé que peut-être des images ou même pas de ces bateaux. Donc je suis très fier d'être le parrain de ce bateau aujourd'hui. Preuve que c'est pas simple, hein, c'est que le bateau il n'est pas parti tout seul. Hein, veut dire que c'est pas si aisé que ça. Hein, et il a fallu recourir à une méthode qui est la méthode du poulain et cogner dessus. Bon, on y recourt quand même de temps en temps. Veut dire que c'est ça parti, peut... là, c'est pas la peine. C'est parti. Calme-toi, Christophe. C'est parti. Des frissons partout. Oui, oui. Et après le bateau a commencé à descendre lentement, il a grincé, et puis le voilà parti. On chialait tous comme des madeleines. Non, mais c'est vrai que quand le bateau est parti à l'eau, ça fait vraiment un choc. Hein. C'est vraiment un souvenir inoubliable. Et d'autre part, c'est vrai que bon, c'était quelque chose d'exceptionnel. Un lancement à l'ancienne, on n'en a pas vu depuis des lustres, vous voyez. La construction terminée, l'euphorie passée, il fallait penser à faire naviguer ce bateau. Et l'option qui a été choisie, qui correspondait donc au but de l'association, c'était de le mettre à la portée d'un maximum de gens pour que un maximum d'enfants, d'adultes, de groupes puissent reprendre contact avec ce patrimoine, le contact avec un navire en bois, le contact avec les matériaux qui sont à bord, les cordages, les voiles, participer à la manœuvre. Et l'intérêt d'une sortie sur un vieux gréement, c'est que les passagers très vite prennent en main les écoutes, les drisses, la barre, sous la responsabilité du chef de bord. On y va, on vire. Non, on vire. Le
Grand Léjon est vraiment un symbole pour la baie. Donc pour les gens du littoral, c'est un fort côté affectif, ça a déjà un parfum d'aventure. Bon, pour les marins de la baie, c'est la limite extrême. On est arrivé à Barnouic, on avait plus de 40 nœuds de vent. Ouais. Alors là, ça serait impressionnant parce que donc, le bateau a été testé. Le gréement qui a été fait par André et puis Francis Minier a été testé là, parce qu'il n'y a aucun craquement dans le mât, ni le bout dehors, ni rien du tout. Alors que je vous dis que ça piolait. Hein.